Monsieur Turcotte. Ce citoyen de Terrebonne s'appelle Bruno Turcotte, 61 ans. Il serait responsable de la mort de sa conjointe, Joanne Bilodeau, qui a connu une fin de vie atroce, selon le récit des faits présenté par la Couronne à l'ouverture du procès pour homicide involontaire. Le 23 septembre 2020, Mme Bilodeau a été transportée à l'urgence de l'hôpital Le Gardeur dans un état lamentable. Elle est décédée moins de 24 heures plus tard. La victime était dénutrie, déshydratée, maigre. Son hygiène corporelle était déficiente. Son corps présentait plusieurs plaies de pression importantes, certaines exposant même ses os. D'autres plaies étaient également présentes sur son corps, notamment des trous au niveau de sa cage thoracique. Les propos de Maître Aumont lors de son exposé d'ouverture ont fait remonter à la surface de douloureux souvenirs pour la famille de la victime, bouleversée à la sortie de la salle d'audience. Ça m'a venu me chercher, puis j'ai juste hâte que le procès soit fini pour que la justice soit rendue. Il est reproché à Bruno Turcotte d'avoir laissé mourir sa conjointe quasi paralysée dans des circonstances horribles en ne lui prodiguant pas les soins appropriés. Il faut savoir que Mme Bilodeau avait eu un AVC 9 ans plus tôt et elle devait recevoir au quotidien justement des soins importants. Elle dépendait de son conjoint qui l'avait prise à sa charge, mais il y a 3 ans, elle est décédée d'un choc septique causé par de multiples infections. Si elle avait reçu les soins médicaux adéquats et qu'on avait comblé ses besoins de base tels que se nourrir, s'hydrater, se laver, on n'en serait probablement pas là, a expliqué l'avocat de la Couronne. Je trouve ça très horrible. Qu'est-ce qu'un supposé mari, qu'est-ce qu'il est supposé donner à la vie, à la mort, donner les soins nécessaires? Ça fait quand même 3 ans qu'on attend après ça. Pour faire le deuil de ma sœur. On ignore si Bruno Turcotte témoignera à son propre procès qui se déroule devant jury. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Laval.